Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin. Bretagne, c'est parti pour 52 minutes d'antenne sur la piste aux étoiles. À l'honneur ce matin, le festival de cirque contemporain Cirque ou Presque, qui se tiendra au Château des Pères, à Pirée-sur-Sèche, ce week-end, c'est donc au sud de Rennes. Nous évoquerons le renouveau du cirque, ces nouvelles formes qui mélangent des arts et des techniques infiniment intéressante. Et puis, on en parlera donc avec Isabelle Salio, coordinatrice générale et artistique de ce festival, et avec Guillaume Dutrieux du collectif Cheptel à l'Écouine. En préambule, nous poserons aussi la question de la santé économique des cirques, et ce sera avec notre expert conso Olivier Dauvert, qui en connaît beaucoup sur la question. Nous parlerons aussi breton avec l'ami Maël Le Guénec. Et puis, il sera question d'un anniversaire, celui de France Bleu, qui fête ses 35 ans la semaine prochaine, en remontant la Vilaine, l'apogée des festivités, ce sera le 9 juin prochain à Pont-Réan. Le détail du programme dans un instant avec Gilles Bomboni, directeur de la station France Bleu Armorique. Et puis Sabine Marie-Murgue, comme chaque semaine, nous proposera sa sélection de sorties culturelles sur les 4 départements bretons pour ce week-end. Sans oublier l'ami Billy, que l'on retrouvera au milieu des fleurs du jardin de Brocéliande à Bréal, sous Montfort. Voilà, écoutez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Alors vous restez tout de suite avec nous. 9h50 le matin Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous en ce dernier jour de la semaine. Nous vous emmenons, comme je vous le disais, sur la piste aux étoiles. On parlera de cirque en fil rouge aujourd'hui dans cette émission. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence. Vous n'échapperez pas à la règle. Vous allez nous parler de la santé économique des cirques. On verra ça tout à l'heure. Et puis Maëlle, vous plongerez aussi dans le domaine du cirque, mais en breton. Avec plaisir. Avec quelques petites surprises. Allez, bonjour Isabelle Salio. Vous êtes la coordinatrice générale et artistique du Festival Cirque ou Presque, qui tiendra donc sa 8e édition ce week-end dans le pays de Château-Giron, à Pirée-sur-Sèche exactement. Mmh. Et puis bienvenue à vous, Guillaume Dutrieux. Vous Merci. Êtes un... Alors comment on dit? Circassien-musicien ou musicien-circassien? Dans quel ordre? Musicien-circassien. Musicien-circassien. Allez, musicien avant tout. Vous êtes compositeur du collectif Cheptel à l'Écouine, entre autres, avec plein de... Trompettiste? Oui. Enfin voilà, plein de fonctions, et vous donnerez donc 3 représentations avec la compagnie lors de ce festival. On avait envie de vous proposer un petit quiz sur le cirque à tous, vous pouvez aussi le faire chez vous, on va commencer tout de suite. Alors, un antipodiste est quelqu'un qui... Ah ah. Je sèche. Qui est contre quelque chose, forcément, parce que c'est un anti. Alors ça, il y en a beaucoup. Alors, il doit être contre la pesanteur, je pense que c'est un truc du genre. En fait, c'est quelqu'un, on va voir tout de suite l'image, c'est quelqu'un qui jongle avec ses pieds. Eh bien oui, un antipodiste. Mmh. Allez, on passe à la question suivante. Au cirque, que nomme-t-on une chambrière? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ah ah ah. Je vous donne un indice, ça fait comme ça. Le geste, c'est ça. C'est ça, le dressage avec le coup de fouet. J'ai la veste, en bravo. Tout cas, vous avez vu. Oui, c'est ça, Olivier, c'est bravo. Pour ça, voilà. C'est un long fouet utilisé au centre de la piste, vous savez, par les écuyers, pour réguler l'allure et la direction des chevaux. Ah, et paraît-il que, en fait, c'est grâce à ce fouet qu'on a défini le diamètre universel d'une piste de cirque dès le 18e siècle. Ça fait 42 pieds, soit 13 mètres. Parce que le cirque a été inventé en Angleterre, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Exactement, on fait le lien, exactement. Comment s'appelle le rideau de velours rouge qui sépare la piste des coulisses? Est-ce que ça, vous savez? Le pendrillon? Pas facile, tout ça. Hein. Là, non. Là, non. Là. Là, non. La gardine. Ah, la gardine. La gardine, ah, oui. Bah oui. Ça voilà. Garde tout ce qu'il ne faut pas voir, probablement. Allez, on termine avec une petite dernière. Qu'est-ce que le léotard? C'est un animal politique, mais je pense que c'est pas ça la question. C'est pas le même, c'est pas le même. Et ben, en fait, ça désigne le maillot des acrobates. Et c'est dérivé du nom de son inventeur, Jules Léotard, qui était un gymnaste qu'on va voir tout de suite. Gymnaste toulousain qui inventa et présenta pour la première fois en 1959 la course au trapèze. Là où on voit que la mode bouge quand même. Un petit peu. Moi, si vous vous habillez comme ça aujourd'hui, je pense qu'on vous remarquera. Mais bon. Allez, et ben, écoutez, ce quiz passé. On continuera bien sûr à parler de cirque, mais cette fois-ci contemporain. Tout au long de cette émission, alors qu'approche l'opération Rendez-vous au jardin ce week-end, dans toute la France, on va retrouver notre ami Billy, justement au milieu des fleurs, dans un très joli jardin breton. Ce sont les jardins de Brocéliande à Bréal, sous Montfort, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Billy.
Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, de retour à notre superbe jardin d'essence en compagnie de notre amie Virginie, qui la dernière fois nous avait montré les camélias. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors aujourd'hui, on va voir le Conservatoire National des Iris Français. D'accord. Donc, alors c'est ici, c'est ça ? C'est tout ici, tout ici, tout autour de nous. Là, on a plus de 1000 variétés différentes d'iris français. Ah oui, quand donc, même. Le plein moment de la floraison, c'est en général du 20 au 30 mai, d'accord, tous les ans. Ok. Et avec plus ou moins, en fonction de la météo, plus ou moins de fleurs et plus ou moins de... Donc là, on a déjà eu les premières fleurs. Voilà. Ça va revenir ou comment alors, ça se passe non, pour l'iris ? Alors non, ça ne fleurit qu'une seule fois. Qu'une seule fois dans l'année, c'est à peu près. C'est pour ça que là, on n'en a plus beaucoup, parce voilà, qu'elles sont déjà passées. Quoi. C'est ça. Et donc, par contre, le gros intérêt des iris, c'est qu'on a quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, chose rare parmi les fleurs, puisqu'en fait, on peut aller des iris tout blancs aux iris tout noirs, comme celui qui était juste là, ou même celui-ci, regarde. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un iris noir, même si... Pour voilà, nous, les béotiens, c'est bleu, un peu violet. C'est bleu foncé. Bleu okay, foncé. Donc, on ne peut pas avoir une couleur plus noire par rapport si, aux iris. Quoi. Là-bas. Celui-ci, là-bas. Voilà. Est plus fort. Mais on peut aussi avoir des coloris très tranchés et même des coloris bicolores. Donc, d'accord, bicolore, c'est une couleur en haut, une couleur en bas. Et parfois, si tu vois la petite j'en languette ai vu qui un est tout là, à l'heure, ouais. Ceci s'appelle une barbe. Et en fait, parfois, ah, on ouais, peut avoir une couleur différente sur la barbe et qui donne une autre nuance. D'accord. Alors, quand on veut avoir des iris comme ça à la maison, parce que là, je vois, vous avez mis des petits graviers. Voilà. Il faut un sol riche, un sol alors, pauvre. Les iris, eux, pour ces iris-là, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs types d'iris. Parce que souvent, on croit que les iris, c'est que bleu ou que jaune. Et donc, l'iris bleu, c'est celui-ci. C'est l'iris germanica, donc celui qui a les feuilles un peu grisâtres comme ça. D'accord. Qui adore la chaleur, qui adore le calcaire et qui adore un sol très drainant. Okay. Donc, nous, ici, on a mis le gravier pour faire du drainage, puisque notre sol, ici, il est plutôt argileux. On a fait ce gravier-là aussi, il permet d'augmenter la chaleur du sol, de faire un d'accord, sol d'un coup, petit on va, peu on va gagner isolé, en température, isolé quoi, au niveau du froid. Okay. Et l'avantage, c'est que normalement, ça aide aussi à embêter les mauvaises herbes, à éviter en général. Pousse. Puisque le problème avec les iris, c'est quand même les mauvaises herbes. On a vu, tu as arrivé un petit peu de liseron. Un petit peu. Alors vous voyez donc ici, au jardin de Brocéliande, eh ben, on se balade et on apprend plein de choses. Il ne faut pas voilà, hésiter à venir leur demander. Je crois qu'il y a des estivales qui arrivent, mais on en reparlera tout à l'heure. On va aller exactement, voir les lilas. Les lilas qui ne ressemblent pas à des lilas. Exactement. Alors on va aller voir ça. Allez, à tout à l'heure les filles. À tout à l'heure, Billy, vous êtes une fleur parmi les fleurs, vous le savez bien. Allez, on reste sur le sujet du cirque tout de suite avec notre expert conso, Olivier Dauvert. Bienvenue à vous, Olivier. Le cirque, c'est un secteur qui a des difficultés, il ne faut pas le nier. Enfin, en tout cas, le cirque traditionnel, hein, au point qu'une des enseignes les plus célèbres est en train de disparaître. Oui, mais ce cirque ou cette enseigne, puisqu'après tout, le cirque est un commerce comme un autre, puisqu'on y vend des places contre un spectacle, ce cirque, c'est Pinder. Pinder, c'est pas n'importe quoi dans le paysage du cirque en France et même en Europe. C'est le premier cirque qui a été créé, qui était encore en activité, puisque ça a été créé en 1854 en Angleterre par les frères Pinder, et qu'il est arrivé en France au début du XXe siècle. Ça veut dire que ça fait déjà plus de 100 ans que sur les routes de France, on voit Pinder et que forcément, ce cirque qui dépose son bilan et qui est menacé de disparaître du paysage, c'est pas rien comme événement et ça traduit une difficulté qu'ont globalement beaucoup de cirques aujourd'hui. Alors pourquoi a-t-il été contraint de déposer son bilan ? Alors parce que comme la majorité des cirques, en tous les cas des cirques traditionnels, les affaires vont mal, les temps sont durs. Il y a certes encore 14 millions de Français qui vont au cirque une fois par an, mais ça baisse année après année. Alors il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cette situation. D'abord, il y a le fait que, hormis des exceptions, peu de cirques se sont suffisamment renouvelés et que finalement, depuis des décennies, un cirque classique, c'est à peu près le même spectacle. Vous avez des clowns, vous avez des trapézistes, vous avez un éléphant qui lève la patte et vous avez des tigres qui passent dans des cerceaux. J'admets le côté très réducteur, surtout face à vous, de cette présentation-là. Je pense mais qu'ils vont faire la démonstration inverse tout à l'heure. Pour une partie des cirques, c'est malheureusement la réalité et qu'en face de ça, vous avez aujourd'hui une industrie du spectacle, parce que ça s'appelle comme ça, qui s'est considérablement renouvelée avec des sollicitations permanentes et qui sont beaucoup plus intéressante et attractive aujourd'hui que les vieux cirques, ben forcément, ça crée ces difficultés-là. Le deuxième phénomène, c'est la modification des rythmes scolaires. Le patron de Pinder, il a calculé que depuis que les rythmes scolaires ont changé, il était passé de 450 000 scolaires par an qui venaient dans son cirque à moins de 100 000. Ça veut dire une chute de 80% et tout ça, ça a participé au fait que le chiffre d'affaires de Pinder en 3 ans, de 2014 à 2017, avait baissé de 40% et que économiquement, quand votre chiffre d'affaires, quand vos recettes baissent d'autant, c'est intenable et donc aujourd'hui, il est en dépôt de bilan.
Alors, n'y a-t-il pas aussi un problème avec les animaux? Parce qu'il y a tout un débat, bien sûr, autour de ça. Voilà, le bien-être animal, et forcément, le cirque est concerné. Alors, probablement qu'il y a un effet de ce bruit ambiant autour du bien-être animal. C'est difficile à quantifier. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de pays en Europe, dans le monde, pardon, qui ont interdit les spectacles avec des animaux vivants, qu'uniquement en Europe, j'y arrive, on est à une vingtaine de pays, qu'en France, on est déjà à 65 communes qui ont pris des arrêtés interdisant l'installation des cirques s'il y a des animaux vivants qui y participent. Donc évidemment, ça fait d'autant moins de lieux dans lesquels on peut s'implanter quand on est un cirque. Donc forcément, ça y a participé. Et quand on est plein d'air avec une cinquantaine d'animaux, voilà, c'est difficile de s'implanter partout. Mais au-delà des animaux, ce qui pose problème aujourd'hui aussi, cirque traditionnel, c'est les coûts. Ça coûte excessivement cher de faire tourner un cirque, de le déplacer. Est-ce que vous avez une idée, par exemple, de ce que coûte un cirque quotidiennement à celui qui l'exploite ? Non. Ce sont des dizaines de milliers d'euros. C'est entre 20 et 30 000 euros tous les jours qu'il faut être capable de sortir juste pour déplacer le cirque. Les 35 camions, les 120 véhicules. Un cirque comme Pinder, c'est à peu près ça. Il faut monter le chapiteau, le démonter. La ménagerie, c'est pareil. Il faut faire manger les animaux. Songez qu'un tigre, ça avale quand même une dizaine de kilos de viande par jour. Donc tout ça, c'est une somme de coûts. Et qui pèse au final très peu, ce qui pèse très peu dans le ticket, c'est le spectacle. C'est 2 euros sur 20. Tout le reste, ce sont des charges. Et donc, effectivement, quand les recettes diminuent, les charges, elles ne diminuent pas. Et donc, vous avez la tête sous l'eau et à un moment donné, vous ne respirez plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, Pinder, comme beaucoup de cirques, va mal, au point d'avoir déposé son bilan. En tous les cas, c'est le reflet de ce qui se passe pour les cirques classiques et qui, en ricochet, donne plutôt du crédit à toutes les nouveautés qu'on a vues sur le marché du cirque. Le Cirque du Soleil étant évidemment celui qui fait rêver tout le monde par son succès. Mm-hmm. Vous voyez que dans le Cirque du Soleil, on est parti, on est quasiment dans l'antithèse de ce qu'est le cirque à l'ancienne, tel Pinder. Mm-hmm. Réaction sur ce plateau, forcément. Maëlle, ça vous inspire quoi, cette... Non, mais c'est vrai, les Bourguignons aussi a dit qu'ils arrêtaient les tournées pour se concentrer sur leur cirque d'hiver. Voilà, c'est une réorganisation du marché nécessaire. À compliqué. Cause des coûts, parce que faire bouger un cirque, c'est quand même quelque chose de très, très, très lourd. On les voit sur les routes, tous ces convois avec des dizaines de camions, c'est forcément des coûts. Alors en face, nous avons deux experts dans le domaine du cirque, on va dire. Isabelle Saliot, vous êtes coordinatrice générale et artistique du festival Cirque ou Presque. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Olivier ? Sur les coûts, en effet, je sais bien ce qu'il en est, puisque il y a de moins en moins de compagnies aussi en France, hein, tu le confirmeras, qui ont des gros chapiteaux, qui tournent sous chapiteaux avec justement des jauges assez importantes. Et pour nous, ce n'est pas évident justement de trouver à chaque fois... chaussures à notre pied pour le festival. Une jauge, pour que tout le monde comprenne, c'est le nombre de spectateurs. Voilà, c'est ça. Parce que, les coûts sont énormes, quoi, entre les poids lourds, le chapiteau, l'équipe, c'est etc. Sûr. C'est des coûts énormes, mais tout dépend du nombre de personnes qu'il y a sur le plateau, surtout du nombre de personnes aussi qu'on peut accueillir sous le chapiteau. Nous, c'est ce qu'on appelle le coût fauteuil, en fait. C'est-à-dire, le spectacle, 3 représentations, plus 2 jours de montage, 1 jour de démontage, ça coûte tant pour les salaires, les déplacements. Et s'il y a 1000 places, forcément, le coût fauteuil est réduit. Encore faut-il les remplir. Le problème des scolaires avec la modification des rythmes, là, a posé problème. Parce qu'en semaine, c'est beaucoup moins rempli. Alors on dit ça, mais en même temps, il y a un festival comme Cirque ou Presque qui se porte extrêmement bien. Mm-hmm. 10 000 spectateurs il y a 2 ans, en 2016. Oui, à peu près 10 000, en effet. 2 ans, presque 10 000. Refaites-nous un petit peu l'historique, quand même, Isabelle Saliot. L'aventure Cirque ou Presque, elle a commencé en 2009. Oui. C'était à Noyelles-sur-Vilaine au tout début. Tout à fait, à Noyelles-sur-Vilaine, en collaboration avec le Centre culturel L'Intervalle de Noyelles-sur-Vilaine. Et puis en 2012, la commune de Pirée-sur-Seiche est entrée dans la communauté de communes du pays de Château-Giron, c'est ça. Donc c'est organisé par le pays de Château-Giron. Du coup, moi je suis responsable culture au pays de Château-Giron. Et donc on s'est dit que le cirque c'est l'itinérance et pourquoi pas changer de lieu avec un lieu magnifique là, qui s'offrait à nous. Donc on a tenté l'aventure en 2016. Et ce lieu magnifique, c'est le Château des Pères, c'est à Pirée-sur-Seiche, on verra une photo, une image tout à l'heure. Qu'est-ce qui a guidé le choix de ce lieu ? Hormis la beauté, les crins, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Après, c'est des raisons techniques. On a regardé à peu près tout ce qui était possible en implantation de chapiteaux, parce que le lieu peut être beau,
peut être grand, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut des terrains plats avec des pourcentages de, de plats, justement. C'est tout un calcul. Donc, ça s'y prêtait vraiment bien. Et on n'avait pas beaucoup d'autres lieux, finalement, sur cette communauté de communes qui correspondait à cette implantation. D'accord. Alors, 31 hectares de parc. En plus, il y a une orangerie qui a été inaugurée là, en avril dernier. Une magnifique orangerie qui accueillera donc la restauration du festival. Tout à fait. Là, on a envie de vous demander, cirque ou presque, c'est parce que c'est du cirque, mais pas que. Et comme dirait Olivier, voilà, le renouveau du cirque, il est là. Qu'est-ce que vous proposez exactement pendant ces 3 jours de programmation, là, ce week-end? Alors, on propose en effet du nouveau cirque. Donc, le nouveau cirque ou cirque contemporain, c'est pareil, qui se différencie du cirque traditionnel, justement. Alors, justement, pourquoi? Parce qu'il mêle des pratiques différentes. Alors, pour plusieurs raisons, tu me complèteras, mais en effet, on n'a pas d'animaux sauvages, déjà, c'est une première chose. Mmh. Et puis, le cirque contemporain, on est vraiment sur des formes écrites, avec un fil rouge, on n'est pas sur une succession de numéros. On a vraiment une mise en scène, avec des artistes qui sont multicasquettes, généralement, justement, musiciens, circassiens, chorégraphes, on a plein de genres artistiques qui se mêlent. Et c'est des formes qui se jouent sous chapiteau, mais qu'on retrouve aussi de plus en plus dans des centres culturels ou dans des théâtres, parce que c'est vraiment des spectacles à part entière. À qui s'adresse ce festival? Vous vous adressez aussi quand même à un public familial, parce que tout est prévu pour la famille. Oui, public très familial en effet, mais aussi les personnes férues de cirque. Puisqu'on a des propositions exigeantes, on reçoit notamment le cheptel Alikoum, qui est quand même une compagnie super reconnue en France dans le cirque contemporain. Ah bon, je pense quand même. Vous êtes implanté depuis une vingtaine d'années, c'est ça, 15-20 ans? Non, ça correspond à la 15e promotion du CNAC, c'est-à-dire... Le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque. Mmh. Et donc, c'était en 2003 que cette promotion sortait de l'école. Donc, il y a 15 ans. Voilà. La compagnie s'est créée à peu près à ce moment-là, un petit peu avant. Mais voilà. Compagnie très créative, on l'évoquera avec vous tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Et je me suis laissé dire, Isabelle, qu'il y avait également le bien-être qui serait mis à l'honneur cette année, pour cette édition. Vous allez proposer des choses très innovantes. En effet, on a souhaité mettre à l'honneur l'équilibre. Donc, l'équilibre qui paraît évident dans toutes les formes circassiennes que l'on retrouve. Et on s'est dit que cette notion d'équilibre, elle pouvait être intéressante pour le public aussi. Il y a un lieu magnifique au Château des Pères, c'est un jardin là, avec des serres du XVIIIe siècle. Quand on y rentre, c'est un jardin clos. Et tout de suite, justement, la zénitude arrive en nous. Enfin, moi, ça m'avait vraiment saisi la première fois. Et je m'étais dit, tiens, est-ce qu'on peut y faire quelque chose de cet endroit? C'est-à-dire qu'on va voir des spectacles sous chapiteau, en plein air, il se passe plein de choses pendant 2 jours. Et à un moment, on vient se ressourcer dans cet endroit. Donc là, on pourra faire du tai chi. Cette année, on propose aussi de la méditation dès le matin. On aura des marches aussi dans le parc, des marches en pleine conscience, des parcours d'essence avec de la réflexologie plantaire. Tout un éventail de propositions bien-être qui sont proposées du matin jusqu'au soir. Écoutez, sacré programme. Alors... Il y a 2 chapiteaux sur le festival. Oui. Il y a un chapiteau qui vous appartient à la compagnie donc Cheptel Alikoum. Et puis, il y en a un autre qui appartient à l'école Jean Zéhen, Vent de Cirque. Mmh. Parce que c'est un petit peu l'avenir du cirque contemporain qui se joue là. Expliquez-nous ce qui va se passer, justement, sous cet autre chapiteau. Oui, alors, c'est vrai que l'école de cirque de Jean Zé, c'est une grande école, plus de 300 élèves, bien réputée en Ille-et-Vilaine. Et certaines personnes... Je crois qu'il y a un artiste qui joue au Cirque du Soleil en ce moment, par exemple, qui vient de là, et d'autres dans des compagnies nationales. Et donc, sous ce chapiteau, on aura un autre spectacle qui s'appelle « Arrête-moi si tu peux ». C'est la compagnie Les Invendus. Donc, un spectacle de jonglage chorégraphique et acrobatique qui va jouer 3 soirs aussi, vendredi, samedi et dimanche. Donc là, on est plutôt sur une forme poétique, plutôt intimiste par rapport au tout feu, tout flamme de maintenant ou jamais du cheptel à l'Alikoum. C'est bien, on essaie aussi de proposer diverses atmosphères. Et puis on aura une autre proposition, c'est un tremplin des écoles de cirque européennes. Donc là, il y a un appel qui a été passé il y a plusieurs mois à toutes les écoles de cirque européennes et puis les élèves en fin de cycle, donc ils vont se lancer dans la vie professionnelle, présenteront divers numéros
presque professionnels, je dirais, puisqu'après, c'est parti pour eux en tant qu'artistes. Donc, plein de propositions. Hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts ce week-end donc, au Château des Pères, dans ce festival Cirque ou Presque, avec au total une vingtaine de compagnies, une centaine d'artistes. Mmh. Bref, voilà, de quoi satisfaire tout le monde. Tout et les spectacles en plein air sont gratuits, et ceux sous chapiteau, par contre, sont payants. C'est ça. Mais c'est ouvert à tous. Vous avez des réactions sur ce festival Est-ce que vous vous y rendrez, Olivier? Alors, ou Maëlle? Moi, je trouve que le cirque, je dois être un vieux con. Pour moi, s'il n'y a pas des animaux, encore une fois, dans ce dont je me moquer tout à l'heure, ouais, s'il n'y a pas le fameux éléphant qui lève la patte. Bah, vous voyez, vous êtes fan de l'éléphant qui lève. Sauf qu'on n'est pas assez nombreux de vieux cons comme moi pour faire vivre suffisamment de grands cirques. C'est bien ça le problème. Ça ne se renouvelle pas assez, on va dire. Oui, voilà. Donc là, c'est la clientèle qui se renouvelle pas assez. Donc, moi, je suis fasciné, en fait, alors, par le côté animaux, et pour le coup, ça me paraît un manque dans le cirque contemporain, mais encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, et j'assume... Voilà, ce côté un peu vieux jeu. Vous êtes tradit, voilà, traditionnaliste. Ben, visiblement, beaucoup plus que l'image peut-être que je donne, mais c'est la réalité. Et vous y avez goûté, au cirque contemporain? Je suis allé une fois et je suis ressorti en me disant, les animaux m'ont manqué. Comme quoi, c'est très structuré. Après, mettez un petit lapin quelque part, peut-être que ça me suffira. Ou un petit ourson un peu luxe, j'adore ça. C'est exactement ce qui se passe. Il faut venir voir. Il y a des oursons un peu luxe. Alors parfait. On en parlera tout à l'heure avec vous, Guillaume. Maëlle, vous y rendrez, vous? Oui. Vous aimez le cirque contemporain? Oui, j'aime beaucoup le cirque contemporain. J'aime beaucoup le cirque. Moi, j'aime bien les animaux, j'aime bien les acrobaties. J'aime aussi les numéros très innovants. D'ailleurs, je vous ai réservé une petite surprise tout à l'heure. Ça tombe bien. Donc ouais, ça fait envie. Et puis le cadre est magnifique. Donc voilà. Autant de raisons d'y aller. On va parler avec vous de cirque en breton. Eh oui. Alors, comment dit-on cirque d'abord? Attention, c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. On dit cirque. Ah. Mais on n'écrit pas pareil. On écrit S-I-R-K, mais on dit cirque. Alors, circassien, par contre, c'est un mot qui est plus intéressant. En breton, on dit termagiette. Termagiette. Le mot termagie veut dire pas mal de choses. Hein. Il veut dire la fête, le mouvement. Et termagiette, donc c'est le pluriel de termagie. Termagie peut aussi regrouper les forains. Voilà, c'est un terme très générique sur l'itinérance, on va dire. Mais ça correspond tout à fait aux circassiens. Le chapiteau, alors on peut dire en delten cirque, qui veut dire tout simplement la tente de cirque. Mais on peut aussi dire ar babel. Le mot c'est babel, mais ça mute puisque c'est du féminin. Donc ar babel, c'est également le chapiteau au sens plus strict du terme. Alors le clown, c'est drôle, en breton, clown se dit furluquine. Furluquine, qui veut dire aussi baladin, c'est un mot assez ancien en breton, c'est pas un mot qui a été créé il n'y a pas longtemps. Furluquine, moi j'aime beaucoup furluquine. C'est le nom d'un spectacle, il me semble, d'une compagnie, ça me dit quelque chose. Bretonne, sans doute. Ouais, ça dit. Probablement, ou d'inspiration bretonne. Alors le magicien en breton va se dire strobineller, puisque la magie, c'est strobinelleres. Strobinel, c'est magique. Ou udur, puisque là, on a deux racines. Ut, tout ce qui est ut, c'est magique, au sens vraiment, y compris fantastique, du terme. Acrobatie se dit trowesk au singulier, mais on utilise rarement le singulier. On parle de trowesk, donc les acrobaties au pluriel. La voltige se dit nigellat, puisque nige, en breton, nijal, le verbe veut dire voler. Donc la voltige, c'est nigellat, c'est plutôt joli. Voilà. Et la jonglerie, jangleres, voilà, on est sur une petite modification. Alors je vous parlais tout à l'heure d'une petite surprise, parce que c'est vrai qu'on parlait de cirque, on en parle, mais nous on veut le voir. Dans l'émission Mouchik Dal, qui est une émission pour les enfants que nous diffusons sur France 3 Bretagne, tous les samedis matins à 10h30 en breton, on vous a proposé, c'est terminé mais vous pourrez les revoir dans quelques temps, une série qui s'appelle Termagiette, maintenant vous êtes incollable, Termagiette, qui veut donc dire circassien, où le comédien Kaoulangouet s'essaie aux arts du cirque, et dans cet épisode il découvre et il rencontre le mystérieux Muakin. Hey, Clément Pesachelou, Termagie et Zoherbro, à Pédé Dondbet d'Achouari Boulou, Gonneur Mestrigarat. Damzonge, l'homme qui paraît roas, vida rogat boulouten.
Bon, un temps labour, Zorhoas. Mekin, ton arafes d'Ahuari Boulou? Ha, chuitet, pote! Eil taul! Et moi, zoclas pem trot d'armaout. Remarquable. Voilà, merci à la compagnie Ocus qui accueillait le tournage de cette série. Voilà, il y a plein d'autres épisodes, cirque plutôt contemporain, je sais pas. Totalement. Qui saura quand même surprendre. Parfois, il y a des numéros assez marrants, avec du feu notamment. Ça vous inspire quoi, cette forme-là? Ah, j'aime bien la boule de contact. C'est vrai, j'en montre assez rarement dans les spectacles, parce que c'est plutôt une forme aussi assez intimiste, qui dure peu de temps généralement, mais à développer justement pour une prochaine édition. Il ne faut pas être trop loin quand même pour voir. Hein. Ah non. C'est ça. Alors que le gros éléphant, on voit de partout. Il revient toujours sur son éléphant. Bon, allez, on vous emmènera voir un cirque traditionnel. C'est oui, Olivier, on vous emmènera voir un cirque traditionnel. Vous n'en faites pas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés. Il est 10h17, hein. Vous êtes bien dans la matinale de France 3 Bretagne. Merci à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Dans quelques instants, on va continuer à parler de cirque avec Guillaume Dutrieux de la compagnie Cheptel à l'Écoum. On évoquera également un anniversaire, les 35 ans de France Bleu, et puis l'agenda culturel de Sabine Marimurg. Les titres qui feront votre actualité ce midi dans le journal présenté par Stéphanie Labrousse. Elle évoquera le collectif des acteurs économiques bretons contre l'écotaxe de nouveau mobilisé. Conférence de presse ce matin. Et puis au sommaire également, la sortie du film Bécassine, qui fait polémique dans la région. Nous recevrons d'ailleurs mardi prochain Bruno Podalides, on va y arriver. Et puis coup de projecteur ce soir sur la success story d'un fabricant de boissons bio à Erquy. Voilà, je vous propose maintenant qu'on aille retrouver Billy au milieu des fleurs. Hein. Allez, Billy, on vous retrouve au milieu des lilas. Alors nous sommes toujours de retour ici dans ce superbe jardin avec les iris qui sont derrière nous, elles sont magnifiques. Et maintenant on va découvrir... Les lilas botaniques. Les lilas. Et tu m'as dit donc que les lilas, eh ben, ils fleurissaient plus longtemps cette année. Voilà. Là ce qui est particulier avec les lilas qu'on va voir tout de suite, ce sont les lilas botaniques. D'accord. Donc contrairement aux lilas plus communs si on veut, qui vont fleurir tout début mai. Alors attends, botanique ça veut dire quoi? Alors botanique ça veut dire qu'ils existent à l'état sauvage dans la nature. Ah, alors que les lilas hybrides, comme on a pu voir... au début mai. D'accord. En fait, eux vont fleurir tout début mai. Donc là, tandis c'est la fin quand eux, même. Hein. On peut en avoir quasiment du 15 avril jusqu'au mois de juin. Ah oui. Et juillet. D'accord. Celui-ci, en fait, dans la nature, c'est un lilas qui vient de Chine. Ok. Et en fait, il est capable de faire jusqu'à 12 mètres en Chine. Ah oui, donc là, on l'a taillé là. En Chine. Et pourquoi en Chine? Parce que les conditions là-bas sont. Parce que les conditions là-bas sont idéales pour lui et pas forcément nous ici. Par contre, ce qui est vraiment original, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que c'est des lilas qui ne ressemblent pas à des lilas. Non, c'est vrai. Parce que moi, je vois les lilas, les toutes petites grappes. Là, c'est plutôt des gros morceaux. Voilà, des grosses grappes. Et qui rappellent que le troène fait partie de la même famille. Et là, c'est vraiment des fleurs de troène. Et comme on peut le voir, c'est des plantes très, très mellifères. Parce que si vous regardez bien... Très mellifères, ça veut dire quoi? Qui attirent les abeilles pour faire du miel. Ah, mellifères, d'accord. Et donc les abeilles, là, en ce moment, elles sont en train de faire leur boulot. C'est ça. Elles font des bébés, tout ça après derrière. C'est ça. Je ne sais pas trop comment ça marche, l'histoire. On ira voir, tiens, ce serait bien ça, d'aller voir un jour les abeilles se reproduire, enfin, faire du miel dans les ruches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs coloris et plusieurs formes. Par exemple, celui-ci, il a le feuillage doré. D'accord. Alors, ce qui est bien ici, donc, comme tous les jardins, tu me diras, mais tu as les noms marqués en bas. Voilà. À chaque fois, en fait, le nom indique la variété. Et là, comme ce sont des lilas qui existaient à l'état sauvage dans la nature, donc en fait, on a vraiment des choses très, très originales. Ah bah, pour moi, ça, c'est un lilas. Voilà, ça, c'est... Donc là, lui, c'est normal, il est plus fleuri. Voilà, lui, il a fini de fleurir. Il était fleuri, autour du 1er mai, à partir du 15 avril en général. D'accord. 15 avril, 1er mai. Et là, la deuxième tournée, si on veut, c'est plutôt mi-mai jusque mi-juin. D'accord. Donc... Ceux qui sont là-bas tout au fond sont eux en pleine fleur maintenant. Et tu vas voir, plus on s'en rapproche, plus on va les sentir. On commence vraiment à sentir l'odeur. À sentir le parfum. Donc cette spécialité-là, c'est juste parce qu'ils sentent très très fort.
Voilà. Mais on ne voit pas plus d'abeilles ou quoi que ce soit, là. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que le parfum que nous, on sent n'est pas forcément ce qui attire le plus les insectes. Mais comme on peut le voir, lui, il est vraiment en pleine fleur. Ah ouais, là, c'est vraiment maintenant. Ça. Vous n'avez pas la chance, effectivement, vous, sur le plateau, de sentir. Mais nous, ici, ça sent vraiment super bon. Hein. Très bon. Magnifique. Alors, tout à l'heure, on a parlé, quand on était au niveau des iris, du programme des estivales. Donc, raconte-nous un peu ce que c'est. Alors, les estivales, c'est des spectacles d'art de rue qui ont lieu tous les dimanches de l'été, c'est-à-dire juillet, août, d'accord, à 16h. Okay. Donc, on vient se balader au jardin pendant tout l'après-midi et à 16h, rendez-vous à la scène du jardin, d'accord, pour découvrir des spectacles d'art de rue, du théâtre, des donc choses. Ça, c'est marqué sur votre Facebook. Voilà, sur toute la programmation est sur le Facebook des jardins. Ok. Et de la même façon, on propose au moment de toutes les fêtes des fleurs. Donc la prochaine, ça va être le 17 juin sur les roses. Donc on note 17 juin, voilà, les roses. Donc visite guidée avec moi-même sur les collections pour pouvoir découvrir chacune de nos collections et poser toutes les questions qu'on a envie. Bon, ben on a bien compris les filles. Donc ici, au jardin de Brocéliande, non seulement on s'amuse, on découvre des choses magnifiques et en plus on peut apprendre grâce à tous ces professionnels qui sont là. Bon, ben je vous dis à tous très bientôt. Tout est marqué sur le Facebook et je souhaite une bonne journée avec ces belles petites fleurs, les iris et les lilas. À bientôt. Merci beaucoup, Billy. On va rester dans le domaine des fleurs, mais la fleur de l'âge, cette fois-ci, 35 ans, c'est un anniversaire. On va le fêter avec Gilles Bomboni, directeur de France Bleu Armorique. Ce sont les 35 ans de France Bleu la semaine prochaine. Bon anniversaire. Merci beaucoup, Laurence. Alors, ce ne sont pas mes 35 ans, malheureusement. Mais si, mais il ne fallait pas le dire. Oh là là. Effectivement, c'est à l'envers. Voilà, c'est l'âge du capitaine, comme on dit. Bon, bref. Donc, 35 ans, oui, la fleur de l'âge. Pour une radio, la semaine prochaine, pour une radio qui très ancrée, absolument sur, ici, son territoire, sur son territoire, le même que le vôtre d'ailleurs, oui, puisque France 3 et France Bleu sont aussi effectivement dans le même objectif des télés et des radios de proximité. Et j'y associe d'ailleurs nos collègues et amis de France Bleu Brésisel, puisqu'effectivement, à nous deux, nous couvrons l'ensemble de la Bretagne. Alors, que va-t-il se passer du mercredi 6 au samedi 9 juin? Dites-nous tout. Mais écoutez, on avait un petit peu envie de ralentir. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette société, absolument, comme pour le TGV, ouais, et on avait envie de prendre le temps d'aller à la rencontre de nos auditeurs sur ce trait d'union qu'est la Vilaine, qui remonte donc de l'océan jusqu'à Rennes. Et c'est aussi une façon, de manière un peu symbolique, que d'aller à la rencontre de ces métiers, de ces habitants qui sont là et qui, effectivement, nous écoutent. Ils font partie des plus de 130 000 auditeurs de la radio quotidiennement. Ah oui, tout de même. Alors, vous investissez une péniche, hein, c'est ça? Oui. Alors, vous allez faire des escales. C'est une toux. Je pense que certains ont déjà vu, effectivement, ces embarcations très traditionnelles, hein, des bateaux en bois avec, ça s'appelle une toux cabanée. Il y a une espèce de cabane, effectivement, sur le bateau. Et avec cette embarcation, nous partirons dès 10h le matin pendant votre émission. Ben, et oui, nous ferons des directs, en fait, sur l'antenne. Et un rendez-vous est fixé aux auditeurs ainsi qu'aux habitants des régions que nous allons traverser, à savoir Lagacilly, Redon, Guipry-Messac et Pont-Réan. J'y reviendrai tout à l'heure sur Pont-Réan parce que ce sera le lieu et le théâtre de notre grande fête. Mais chaque jour, sur ces escales, nous invitons également les habitants à venir nous rejoindre pour l'émission en direct et pour un apéritif, on n'a pas le droit peut-être de les dire trop fort, mais en tous les cas, pour une soirée musicale entre amis pour fêter dignement nos 35 ans. Magnifique. Alors, vous l'évoquiez, hein, tout à l'heure, le point d'orgue, ce sera à Pont-Réan et ce sera le samedi 9 juin. Que va-t-il se passer? Alors, à partir de, on va dire, 11h, vous êtes toutes invitées à venir nous rejoindre. Il y aura sur la cale de Pont-Réan, sur la commune de Guichen. J'en profite pour remercier d'ailleurs chaleureusement la municipalité ainsi que tous les acteurs qui nous permettent de porter ce projet. C'est vraiment une grosse fête que nous organisons, donc ça ne peut pas se faire sans des bénévoles, sans effectivement la municipalité qui nous accompagne. À partir de 11h, il y aura des déambulations sur la cale, il y aura les associations de la commune qui sont là et qui pourront nous faire profiter également de leur dynamisme. Et puis il y aura de la musique surtout l'après-midi, à partir de 16h, avec des groupes comme Digresque, Plantec, que nous retrouvons également à Redon, avec Gadzux, qui est un groupe de Dinan. Nous avons aussi cette ambition que de faire briller ce dynamisme musical de la région. Et le soir, après un repas champêtre, évidemment, puisque tout ça se passe aussi autour de la table
Et puis s'il fait chaud, évidemment, on sera obligé de s'abreuver un petit peu, de se rafraîchir, n'est-ce pas, dans la Vilaine peut-être, pourquoi pas, s'il fait vraiment très très chaud. En tous les cas, à partir de 19h sur scène, il y aura beaucoup beaucoup d'animation. Et le point d'orgue, le bouquet final, le show, ce sera notre imitateur préféré, qui intervient tous les jours, et vous le connaissez, Laurent, s'il était avec nous il n'y a pas si longtemps à Saint-Brieuc, Laurent Chantemerle, qui nous offrira, donc qui offrira aux spectateurs son show, vraiment un show d'imitation de chansons à partir de 21h. Il est très, très talentueux, et c'est un garçon adorable. Effectivement, on confirme. Donc vous donnez rendez-vous à tout le monde sur cette semaine spéciale, en déambulation, donc sur la Vilaine, du 6 au 9 juin. Et puis vous serez tous les jours en direct de 16h à 19h, c'est ça, depuis ces villes de La Gacilie, Redon, Guipry-Messac et Pont-Réan. Voilà, on a résumé un petit peu tout. Eh bien, c'est très bien résumé. Joyeux anniversaire. Eh bien, merci encore. Un peu en avance. Et ce rendez-vous, en fait, c'est le premier étage d'une fusée pour fêter pendant toute l'année nos 35 ans. Et si vous m'invitez, parce que ça va durer un an. Mais ça va durer, on en profite. Écoutez, on n'a pas tous les ans 35 ans, donc on en profite joyeusement. Et à partir du mois de septembre, et je reviendrai vous en parler mais si vous avez la gentillesse de m'inviter, nous ferons, il s'invite tout seul, nous ferons la route de l'innovation. Puisque 35 ans, 35 salariés à France Bleu Armorique et puis le département 35, voilà, tout ça est assez logique et facile à retenir. Eh bien, nous allons aussi, à partir du mois de septembre, remonter avec un, ce ne sera plus une péniche, mais avec un véhicule innovant de type véhicule électrique ou véhicule un peu du futur, remonter, aller à la rencontre des porteurs de projets et des projets innovants et des talents musicaux. Et nous finirons à Saint-Malo, voilà, je fais un petit teasing, comme on dit dans notre métier, juste avant la route du Rhum, dont nous sommes partenaires, d'ailleurs, France 3 et France Bleu. Exactement. Et bien, dites donc, sacrée année qui nous attend avec vous. Merci beaucoup, Gilles Bombonnier, d'avoir été avec nous. Et bon anniversaire encore une fois. Je me tourne vers vous, Guillaume Dutrieux. Vous êtes donc un trompettiste de talent, on l'a dit en introduction de cette émission. Vous avez joué auprès d'artistes comme Alpha Blondie, Peter Kingsbury, ou encore Yannick Noah, enfin plein d'autres. Et vous écrivez et vous interprétez beaucoup de musique pour le cirque contemporain. Quelle est la particularité de cette musique-là? Est-ce que le son est plus cuivré? Qu'est-ce qu'il y a comme identité dans la musique de cirque en particulier? Il n'y en a pas particulièrement. Ça dépend de la personne qui écrit de la musique, en tout cas, et des... Mais la vôtre, elle a une identité. Elle a vraiment... La nôtre a une identité parce que cette compagnie, depuis le début qu'elle existe, est très portée sur la musique, et en particulier sur la musique plutôt cuivrée, plutôt le côté fanfare. Probablement parce que la fanfare, c'est une musique chaleureuse qui a tendance à nous emmener faire la fête, à boire, enfin en tout cas être chaleureuse et festive. Je vous verrai bien sur le bateau de France. Vous êtes le bienvenu. Effectivement, bien. Si avec vous voulez plaisir. Nous rejoindre pour participer effectivement à cette fête avec les animateurs et les animatrices de France Bleu. Avec plaisir. En tout cas, la fanfare, l'image de la fanfare et la fanfare et la musique cuivrée, c'est un petit peu partout dans le monde. C'est une forme qu'on retrouve aussi bien dans les fanfares de l'Est que à la Nouvelle-Orléans, que dans le sud de la France ou n'importe où en Angleterre. Enfin, il y a beaucoup d'images de fanfare. C'est quelque chose d'assez social aussi, c'est la rencontre des gens, des musiques amateurs. C'est beaucoup de choses, la fanfare. Et bien justement, je vous propose, plutôt que d'en parler, qu'on écoute justement cette musique et ce spectacle que vous allez nous présenter au festival Cirque ou Presque. Ça s'appelle « Maintenant ou jamais ». On regarde tout de suite un petit extrait.
Le spectacle maintenant ou jamais de la compagnie Sirkat Suika et du collectif Cheptel Aleikoum. Ce sera présenté ce soir et samedi soir à 21h sous le chapiteau, ainsi que dimanche à 16h45. Absolument. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce spectacle ? Je sais pas si on veut dire des choses, mais entre ce qu'on veut dire et ce qui se passe, il y a toujours... On peut pas tout maîtriser, hein, là pour non, le coup. Non, on peut pas tout maîtriser, mais en tout cas, on voulait refaire le monde en fait. Rien que ça. Faut trois fois rien. En tout cas, nous, c'est peut-être ce qui transpire de ce spectacle, c'est notre expérience de vie, de vivre en collectif, de faire les choses ensemble, d'avoir aussi les mains dans le cambouis, dans le sens où tout le monde participe au fonctionnement de cette compagnie. Il n'y a pas de personnes plus dirigeantes les unes que les autres. Chacun peut prendre la place qu'il a besoin ou celle qu'il veut. Et voilà, donc c'est il y a quelque chose qui transpire de ce qu'on est en fait dans ce spectacle, et surtout la convivialité, aussi la proximité avec le public, c'est des choses qui nous sont chères en fait. Ouais. Et en effet, le chapiteau, c'est un outil qui rapproche énormément les gens. Déjà, ils se voient, tout le monde se voit. Le cercle, c'est quelque chose de fort. Les gens, comme vous avez pu voir dans les images, là, la piste n'est pas très grande, le public est proche de nous et ils sont bienvenus chez nous en fait, tout simplement. Et ça commence comme ça. Ça commence par une sorte d'apéritif, d'apéro. Voilà. Festif. Festif. Votre fonctionnement, justement, en collectif, comme ça, c'est représentatif du fonctionnement du cirque contemporain aujourd'hui. On fonctionne de plus en plus en synergie. Les arts se mélangent, les techniques se croisent. Enfin, on est vraiment dans la transversalité. Enfin, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, vous, Isabelle Salion, mais c'est flagrant aujourd'hui dans le cirque. Quoi. On n'est plus chacun dans son petit domaine. C'est terminé. Oui, ben c'est vrai que les artistes sont, je le disais tout à l'heure, sont vraiment polygens. Polycasquettes. On va dire ça. Ils sont régulièrement musiciens, en fait. Hein, musiciens, artistes, et chorégraphes. Et aussi, on s'occupe de la compagnie. Ça, c'est, ah oui, c'est encore autre chose. On ne se rend pas forcément bien compte de ça, mais. C'est beaucoup de travail, ça. On passe beaucoup de temps en collectif, à se réunir. C'est une direction collective, en fait. C'est comme une entreprise, enfin c'est une entreprise de spectacle. Hein. Donc on a aussi tous les soucis que peuvent avoir, les soucis qu'on arrive à résoudre ou pas, d'économie, de réfléchir à un spectacle, de comment on va le monter, d'embaucher des gens. Enfin voilà, c'est vraiment, on est comme tout le monde en fait. Et peut-être c'est un peu ça aussi qu'on veut dire dans ce spectacle, on est un petit peu comme tout le monde. Et ce qu'on recherche en effet, c'est... Enfin, vraiment, le mieux, c'est de venir voir, c'est de sentir cette convivialité, en fait, qu'on essaie de transmettre. On verra ça dès ce soir, hein, donc à 21h, dans le cadre du festival Cirque ou Presque. Et puis, on invite donc tous les spectateurs, les téléspectateurs, à se rendre sur le site internet du festival pour découvrir tout le programme, parce que c'est difficile de tout résumer. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts et c'est assez magique, il faut bien reconnaître. Dans un lieu sublime, un écrin magnifique. Un écrin de verdure superbe, en effet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés. Merci. Sabine, vous êtes une fan de cirque, vous aussi. Ah oui, c'est plutôt traditionnel ou plutôt contemporain? Parce qu'on a les deux écoles aujourd'hui, hein, sur ce plateau. Contemporain, c'est vrai. Vous allez nous emmener d'abord dans le Finistère pour une petite sélection culturelle. Dites-nous tout. Oui, alors, avec le festival Les Fous Rires de la Forêt Fouesnant, et oui, il faut bien rigoler, hein, c'est bon pour la santé. Et cette deuxième édition qui démarre aujourd'hui est organisée par la compagnie du Petit Théâtre de Séverine Le Bihan. C'est une école de comédiens qui fête ses 10 ans cette année. Il y a un festival donc dédié à la comédie, au boulevard, au vaudeville. C'est vrai que ce n'est pas du cirque contemporain. C'est Edgar Yves Monou, vous connaissez peut-être, le grand gagnant des déconnades de Quimper qui parraine l'événement. Vous, non ? Déconneur, j'en connais à Quimper, mais je savais pas qu'il y avait un festival. Je vous propose d'ailleurs de regarder un extrait de son one-man show, un humoriste black qui s'amuse des clichés sur les blacks. Toi. Tenez la preuve que je ne suis pas communautariste. Moi, j'ai fait un choix fort en ce qui me concerne. Je ne sors qu'avec des femmes blanches. Successful black man. Ce gage d'assimilation, je lis parce qu'il y a des clichés légendaires, mais vrais. Quand t'es noir et que tu sors avec une blanche et que vous avez le malheur de vous promener dans la rue, on sait pas pourquoi, mais c'est vrai, mais à ce moment-là, il y a toujours une femme noire cachée au coin d'une rue, tel un ninja, qui vous regarde avec les yeux de la haine.
Il est assez mimique, hein, ouais. Il est drôle. Alors, il jouera la première partie du spectacle des Rendez-vous du Rire le dimanche 3 juin à 20h30 pour 1h30 donc, de détente. Alors, d'autres spectacles à ne pas manquer, toujours dans le festival Les Fous Rires. Ce soir, à Venise, sous la neige du Théâtre Jeanne de Nantes, c'est l'histoire de retrouvailles de deux copains de fac lors d'un dîner avec leurs copines respectives. Un couple donc en pleine crise et l'autre qui nage bêtement dans le bonheur. Et vous imaginez la suite, c'est pas triste. Samedi, Le Bonheur en camping-car, ça promet aussi par la compagnie Divias et mise en scène par Dominique Paturel. Pas mal, dites-moi. Comédien et grand nom du doublage en France dans Dallas. Ah ouais, ça vous dit quel personnage de Dallas, J.R. sous Hélène Je ne sais pas. Alors donc, des vacances de rêve en camping qui virent au cauchemar. Alors rendez-vous donc dès ce soir et tout le week-end au Nautil. Et les fonds récoltés sont reversés à la recherche sur les neurofibromatoses. Alors maintenant, dans les Côtes d'Armor, on va changer un petit peu de registre, dites-nous. Oui, alors c'est à la fois drôle et une comédie drôle et dramatique. Les Chatouilles ou la danse de la colère que vous pourrez voir donc demain soir au Théâtre de l'Arche à Tréguier. Ce spectacle d'Andrea Bescon est mis en scène par Éric Métayer et il a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Molière 2016, meilleur seul en scène. Alors c'est l'histoire d'Odette, jeune danseuse dont l'enfance a été volée et qui se bat corps et âme pour se reconstruire. Andrea Bescon, qui est d'ailleurs originaire du Morbihan, faudrait que vous l'invitiez, elle raconte donc ses premières années et celles d'une fillette abusée. Je vous propose de voir un extrait de son spectacle. Tu voudrais bien jouer à la poupée avec moi? Tu sais quoi, on va aller dans ta salle de bain, mais attention, il faut le dire à personne. Waouh, ouais. Oui, et puis c'est la danse qui exprime au-delà des mots, donc l'indicible. Hein. On est transporté. Et vous savez que cette pièce a été adaptée au cinéma, ça a été aussi sélectionné au Festival de Cannes, et le film donc sortira en septembre, au mois de septembre. Donc en attendant, vous pouvez le voir. Alors, il paraît qu'en Ille-et-Vilaine, Sabine, les trois mousquetaires partent à l'assaut. C'est vrai ça? Oui. Alors le collectif 49-701. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le nom de code du premier théâtre d'Asnières de la jeune troupe qui a créé ce festival. C'est assez original. Hein. Alors, donc, ils s'emparent du lycée Saint-Vincent de Rennes pour jouer les Trois Mousquetaires. Ce spectacle est un coup de cœur de Claude Guignard, directeur du festival Les Tombées de la Nuit. N'imaginez pas une représentation fidèle de ce roman de Capet d'Épée. Cette jeune troupe de théâtre revisite le grand classique d'Alexandre Dumas en mêlant les codes de la série TV à ceux du spectacle vivant. On retrouve même les codes du western, donc une version plutôt Serge Léone que Jean Marais. On peut voir un petit extrait. Les Trois Mousquetaires. Que j'ouvre. Me frapper. Moi. Allons, allons, mon cher. Vous êtes fou. Messieurs les mousquetaires, je n'entends pas que l'on hante ainsi les mauvais lieux, qu'on se prenne de querelles dans la rue, qu'on joue de l'épée dans les carrefours, et qu'on prête à rire aux gardes de monsieur le cardinal. Tout le monde s'écarte. Je suis sûr. Revisiter donc, les Trois Mousquetaires. Revisiter, puis alors à chaque fois, c'est un petit peu comme Cirque ou Presque, c'est adapté dans un lieu, leur série. Donc il y a trois épisodes et on peut voir demain la version intégrale de 16h à 23h de la série donc, qui s'est déroulée toute la semaine. 6h. Voilà, et ils ont vraiment fait une série d'épisodes, comme un feuilleton, mais ce n'était pas la peine de voir, on n'avait pas besoin de voir... pour savourer le second, vous n'avez pas besoin de voir le premier, mais demain, vous pouvez voir donc l'intégrale à partir de 16h. Formidable. Allez, un autre événement dans le Morbihan qui investit un lieu insolite. Oui, et puis Manif, c'est une belle respiration proposée par le chorégraphe David Roland. Le Centre culturel Athéna vous donne rendez-vous donc demain dans un lieu insolite, le parc du Mausolée de Cadoudal à Auray, pour une déambulation chorégraphique. Alors casque sur les oreilles, guidé par deux danseurs, vous voyagerez à travers l'histoire de la danse. Je vous propose aussi de voir un petit extrait de cette danse. Thank you.
encore une belle idée de sortie et de découverte. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de découvrir un site inconnu du public. Donc rendez-vous demain au parc du Mausolée du Cadoudal. Vous savez qui était Georges Cadoudal ? Non. Eh bien, c'est un personnage emblématique de la chouannerie bretonne. Ah, après... Gilles le savait. Oui, oui, non, mais je vous en prie, terminez. C'est... Je ne veux pas vous voler la vedette. Ah, non, je vais peur de dire des bêtises, surtout, mais effectivement, ça ressemble à un pan d'histoire important de notre région. Oui, enfin, absolument. En fait, après avoir rallié dans un premier temps les idées révolutionnaires, il bascule dans le camp de la chouannerie, prend la tête de l'armée royale et catholique de Bretagne. Après une tentative de complot contre Napoléon, il est arrêté et guillotiné à Paris en 1804. Et donc, ses restes sont dans ce mausolée. D'accord, voilà, écoutez, voilà, on a appris plein de choses. Merci Sabine pour cette sélection. Merci beaucoup Gilles Bomboni d'avoir été à nos côtés. Merci Isabelle, merci Guillaume merci. De nous avoir parlé si bien du cirque contemporain. Et puis donc rendez-vous au festival Cirque ou Presque ce week-end au Château des Pères à Pirée-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end. Lundi, on se retrouvera en direct à 9h50 comme toujours. On parlera d'emploi, d'innovation bretonne, d'expérience scientifique ludique. Et puis on recevra l'artiste plasticienne Eva Jospin en résidence au domaine de Trévarez dans le Finistère. Nous mettrons à l'honneur le travail de cette jeune femme qui sculpte des forêts dans le carton. Rien que ça, c'est à ne pas manquer. Rendez-vous lundi, donc on compte sur vous. Bon week-end, ciao.